Outre le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, Sarajevo célèbre cette année le 20e anniversaire de son Festival du film, un rendez-vous culturel qui a vu le jour en pleine guerre comme un acte de résistance. Aujourd'hui, le Festival de Sarajevo se veut la tête de pont du cinéma des Balkans. 247 films issus de 60 pays y ont été présentés et en marge des projections, des centaines de professionnels sont venus dénicher les pépites de la région. La région est riche d'une nouvelle génération talentueuse qui aborde de nouvelles thématiques. Et je pense que petit à petit, cela permet de mettre la guerre derrière nous, en particulier en ex-Yougoslavie. Les films parlent davantage de cette période de transition, de problèmes familiaux et des défis qui attendent la nouvelle génération. Parmi les invités surprises, la photographe Annie Leibovitz, c'est la première fois qu'elle revient à Sarajevo depuis les années 90. Elle qui était venue ici documenter la guerre, sa photo d'une bicyclette ensanglantée avait fait le tour du monde à l'époque. Il y a tant d'énergie qui converge ici à Sarajevo. Vous savez quel était le visage de la ville après la guerre. Et aujourd'hui, les fleurs ressortent, l'herbe redevient verte. La ville revit, c'est une sensation très différente. À l'époque, la ville était vivante, mais d'un point de vue héroïque. Enfin, c'est un privilège d'être ici. The heart of Sarajevo for the best film goes to Song of My Mother by Erol Mintas. Côté palmarès, c'est un film turc qui a ravi le cœur de Sarajevo, Song of My Mother, la chanson de ma mère, réalisée par Erol Mintas, qui signe son premier long métrage. The heart of Sarajevo for best actor goes to Feyyaz Duman. Le long métrage a été récompensé une deuxième fois avec le prix du meilleur acteur décerné à Feyyaz Duman. Il incarne dans le film un instituteur qui vit toujours avec sa mère. Le film plonge dans l'intimité d'une famille de réfugiés kurdes installés dans la banlieue d'Istanbul. Ce film parle d'une famille kurde qui vit en Turquie. On a essayé de montrer ce qu'ont duré les Kurdes ces dernières années pour que cela ne se reproduise plus. Vous savez, la langue kurde n'est pas une langue enseignée à l'école, donc c'était un peu dur de travailler le texte. Si vous voulez travailler en kurde, il faut vraiment maîtriser la langue à un niveau professionnel. C'est la première fois que je devais me pencher sur un texte académique en kurde. Mais vu qu'ils nous ont récompensés, je crois qu'on a fait du bon travail. Le prix spécial du jury est revenu à la géorgienne Tinatin Karjrishvili pour Brides, les mariés, qui obtient aussi le prix de la meilleure actrice grâce à la performance de Marie Kitia. Un film qui traite des relations de couple de femmes dont le mari est emprisonné. Ce film est basé sur mon expérience personnelle et c'est très difficile de faire un film sur sa propre vie. Comment avez-vous découvert cette histoire ? Mon mari a passé 6 ans en prison. La réalisatrice Una Gunjak, qui est née à Sarajevo, a remporté le prix du meilleur court-métrage pour The Chicken, le poulet. Elle a tenu à associer à ce succès sa jeune comédienne, Iman Alibalic. La petite fille joue le rôle de Selma, à qui on offre un poulet pour son anniversaire. Mais la scène se passe en temps de guerre. Fugant pour empêcher son animal de finir dans une assiette, elle met involontairement sa mère en danger dans la ligne de mire des snipers. Cette année, 9 longs métrages étaient en compétition officielle et le jury présidé par le réalisateur hongrois Bélatar. Ce festival qui a débuté ici il y a 20 ans dans une ville en état de siège lors de la guerre de Bosnie est devenu le rendez-vous cinématographique le plus prestigieux en Europe du Sud-Est. Les films produits dans la région y bénéficient d'une renommée internationale.